two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Yop, yop les amis, c'est Blitché. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur FIFA 16 Online 1v1. Et là l'enjeu est très important, on est pour l'épisode 7. Et devinez quoi, l'enjeu est très important, pourquoi? Parce qu'il nous reste deux matchs pour nous sauver, victoire obligatoire pour les deux matchs. Donc l'enjeu est très crucial, c'est des matchs de folie qui nous attend. Du moins, j'espère. C'est parti, on lance la game tout de suite. Donc comme je vous avais promis, je prends mon équipe de cœur. Et vous avez deviné, mon équipe de cœur, c'est le Paris Saint-Germain depuis ma tendre enfance. Voilà, même avant que QSI arrive, j'étais déjà pour le Parc des Princes. Enfin pour le Parc des Princes, excusez-moi, pour le PSG, je commence déjà à dire de la merde. Donc oui, effectivement, donc j'ai tout vécu, hein, la relégation, enfin toutes les relégations qu'ils auraient pu avoir, le PSG. Donc voilà, j'ai tout vécu, c'est depuis très longtemps, depuis un temps d'enfance. Je sais que le PSG n'est pas très apprécié par tout le monde, j'espère que je ne perdrai pas des abonnés à cause de ça d'ailleurs. On ne sait jamais, des fois il y a des personnes qui ne réfléchissent pas et qui se désabonnent juste pour ça. Mais bon, voilà. Après, chacun son équipe, moi je respecte, c'est comme les rivalités sur les terrains. Voilà, c'est normal. Les rivalités dans le public, voilà, tout ce qui est baston, tout ce qui est violence, c'est pas normal. Donc ne faites pas ça, c'est du foot. Voilà, des petites... on a le droit de se charrier entre supporters, mais attention, pas de violence. Et le premier but. Je raconte ma life et j'arrive à marquer un but, c'est formidable. Peut-être l'effet équipe de cœur. Allez, on a bien commencé, 1-0 avec un petit but de Zlatan. Ah, à savoir aussi que je suis fan de Zlatan Ibrahimovic. Pareil, ce joueur n'est pas très apprécié. Et voilà, je suis fan de ce joueur totalement, de sa personnalité, de son jeu, je suis fan. Même si, bon, j'avoue que dans les matchs à gros enjeux, il n'est pas souvent là, comme en Ligue des Champions par exemple. Ça tombe bien, en plus je joue contre City, contre qui on s'est fait éliminer quoi. On va dire, c'était un match très dégueulasse, on s'est fait éliminer comme des cons. Alors qu'on aurait pu faire mieux, je le sais, le PSG en est capable. Mais bon, on verra ça l'année prochaine maintenant, comme d'habitude. C'est bien joué ça, allez. Oula, allez. Ouh. Allez, ah, super, mise à jour de Call of Duty, je m'en bats les steaks. Putain, foire, il a mis un 3 points, Verratti. Oui, mon petit Zlatan, un but déjà à ton actif, c'est ça qui est bon. Alors... Ok, donc David Luiz, pourquoi t'es par terre? Relève-toi, mon grand. Bien joué, Marquis. Marquis, un joueur qui devrait jouer beaucoup plus au PSG. Mais malheureusement... mon entraîneur qui ne tente pas grand-chose. Alors que Marquinhos est un très très bon joueur, un jeune joueur en plus qui a beaucoup d'avenir. Et à cause de ça, on pourrait vraiment le perdre. À force de le mettre sur le banc et laisser un mec comme David Luiz. Bon, David Luiz a la rage de vaincre, mais niveau défensif, c'est pas terrible, terrible, franchement. Voilà, il y a beaucoup mieux, donc je sais pas si vous pensez la même chose. S'il y a des supporters du PSG ou même d'autres équipes, voilà, qui partagent la passion du foot, voilà, qui ont la même opinion que moi. Ah, le but, excusez-moi. Voilà, dites-le moi, et moi personnellement, je préfère Marquinhos. Qui est plus solide défensivement. Voilà. Et lui, c'est bien pour un match. Vraiment, on attend de la rage des joueurs. C'est bien, mais défensivement, c'est pas top quoi. Bon, voilà, 2-0. On est bien. On est bien, les amis. Pour l'instant, ça commence bien. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il ne quitte pas quand même. Hein. Ok, il m'a fait attendre. Il se fait désirer, le type. Allez, on reste concentré, il y a 2-0, mais c'est pas terminé. Oula, c'est chaud mon pote. Vous avez remarqué, j'ai mis les deux mêmes buts. C'est exactement au même endroit, j'ai mis le même but, tout simplement. Hop là. Attention. Allez,
Ah, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort et puis c'est pas trop surjoué en fait. Allez, allez. Hop là. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oh. Oui, quand même. Oh. Il a tiré, on a bien vu, il a tiré, toi. Non, on va pas tirer Cavani. À Cavani, un joueur qui me fait beaucoup rager aussi. Hein. On peut en parler aussi hein, de Cavani. Voilà, c'est. À Naples, c'était un buteur exceptionnel. Au PSG, enfin. Il a quand même marqué 15 buts en Ligue 1, c'est bien pour un attaquant de Ligue 1 lambda. Et pour un mec comme Cavani, c'est pas top. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Moi, je trouve que c'est pas top. Voilà, pour un attaquant de Ligue 1 lambda, c'est très bien. C'est très très bien. C'est un nombre de buts exceptionnel. Mais pour Cavani, ça devrait être plus. C'est souvent. Enfin, c'est plus pour ce qu'il a raté, vraiment. Hein. Je pense à contre le Real en match de poule. Voilà, et puis il y a d'autres matchs encore, mais c'est vrai que depuis. Moi, c'est depuis la ratée contre le Real qui m'a vraiment fait rager, quoi. Tout vous avouez, depuis là, je l'ai un peu en train de la gauche, le Cavani. Même si, bon, j'aimerais bien qu'il marche parce que je l'aime bien ce joueur, c'est un bon joueur. Enfin, c'est un bon attaquant. Voilà. On pourrait faire mieux, c'est tout. Putain, je ne m'arrête pas de parler. Depuis tout à l'heure, j'espère que je ne vous saoule pas trop. Bon, s'il y a des fans de foot, normalement, ça devrait aller. Ouh, putain, bien joué, mon petit trap. Allez. Oh non! C'est quoi ce but? Oh non, mais quel est donc ce but de merde? Vous avez vu, vous? Allez, on s'en tape, arrête de faire l'anguille par terre. Attendez. Ah, il a dévié. Ah, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que j'ai pris le but. Une excuse de merde. Bon, allez. On reste concentré. Il y a 2-1. C'est pas terminé. J'ai pas le droit à l'heure. Même pas un match nul, les gars. Attention. Hein. Il faut vraiment deux victoires absolues pour que je puisse rester dans cette division. Est-ce qu'on va réussir? Je me le demande. Parce qu'après, il reste encore un match. Déjà, faut pas perdre celui-là parce que sinon c'est terminé directement. Un petit mot sur ce joueur, Franck. C'est le genre. Et je ne veux pas descendre, s'il vous plaît. Toujours essayer de se déplacer. Agüero, la frappe. Pff, il va se calmer, le mec, là. Il est énervé. Hein. D'accord, j'ai fait faute, apparemment. J'ai pas fait gaffe. Pff, oh là là. Haha. T'es vénère, hein. Allez, allez mon petit Di Maria, Angelito. Oh, oh non, la faute un petit carton mon gars. Voilà. Alors, on va faire tirer comme d'habitude Di Maria. On va essayer de trouver une tête. Allez, allez! Oh putain! J'ai cru! Oh là 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 là! Ah, fumier d'ago! Allez! Centre! Ah! Oh, oui! Oh putain! Oh, j'y ai cru! Franchement, je la voyais dedans là! Je la voyais dedans, les amis! Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau! Wow. Fumier va. Allez Vittorier. Ah, il est encore. Hey, il est encore voulu me faucher. Je sais pas ce qu'il a contre lui. Même si pas mal de gens ont beaucoup à le reprocher en ce moment, c'est vrai. Avec l'affaire Aurier. Ah, excusez-moi, j'ai tapé dans la télécommande. Oh, alors regardez-moi ça, 62% de possession, c'est quand même énorme. 2 buts, normal, 6 tirs, 3 cadrés. Il a eu des occasions aussi, hein. Plus que moi, enfin, ouais, plus de cadrés que moi quand même. Hein. Mon gardien est là, il est présent, c'est bien. Allez, on a pu recharger la batterie, encore 45 minutes d'effort. Ouais, 45 minutes d'effort, 45 minutes à tenir.
ne pas se prendre de but, en marquer d'autres. C'est pas terminé. Je tente le rush. Ah non, 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 non. Putain, la passe dans l'axe, c'est pas ça, Blige, trop dangereux. Ouais. Mais non, mais arrête, genre, je fais faute là-dessus, mais c'est une blague. Des fois, FIFA, il me fait des grosses blagues. Oh, mollo. T'as le mec qui tire, enfin, c'est pas puissant, c'est un peu ambitieux, mais il vise bien quand même, je trouve, hein. Allez. Ah shit. C'est dommage, ça aurait pu passer. Oh, putain, David Luiz. Ah mais le mec, il tente de n'importe où quoi. Tout est bon à prendre chez lui. Hein. Il a raison, faut tenter. Hein. Heureusement que mon gardien est vigilant quand même parce que... On va tenir décidément. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que j'essaye de faire avec Cavani aussi, moi. Ça, c'est de ma faute. Hein. Allez, Henri. Est-ce que ça va... Ça va être très dur. Shit, n'importe quoi. Le changement d'aile un peu trop fort. Et hey, Kurzawa, on y va. Petit Thiago Silva. Lui, j'aime bien par contre. Très très fort ce mec. Défensivement, c'est un monstre. C'est pas pour rien qu'on appelle au monstro. Et moi, je fais de la merde en attendant. Allez, viens moi ça. Allez, ça passe Ibra. Ouh. Ah dommage, j'ai trop poussé. Vraiment dommage. Allez. Oh non. Penalty. Penalty. Allez. On croise les doigts les amis. On croise les doigts. Penalty. Oh la faute trop bizarre quoi. Allez, nous fais pas comme en Ligue des Champions Ibra. Oui. Bien joué mon petit Ibra. Si t'aurais fait ça en vrai en Ligue des Champions, on n'en serait pas là. En tout cas, triplé. Hein. Ne quitte pas, s'il te plaît. Ne quitte pas l'ami. Est-ce qu'il va quitter? Bonne question. Bon, en attendant, je vais peut-être faire un petit changement. Je vais virer Cavani. Et je vais mettre Lucas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis depuis le début. Trois ans plus tard. Comme ça, où tout marche, voilà. Donc il a fait des changements, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que pour prendre autant de temps. Ouf, putain. Récupère ce ballon. Serge Aurier. Oh putain, j'ai failli passer. Trop gourmand le Blige, trop gourmand. Bien joué. Oh putain, j'aurais dû attendre qu'il vienne sur moi. J'ai tenté un truc impossible. Enfin, le gardien sur sa ligne, c'est impossible, clairement. Alors, tac. Non, raté. Ah, dommage. Dommage. C'était bien vu la passe. C'est vraiment dommage. Alors. Deux joueurs à la lutte. Excusez-moi si vous voyez regarder un peu en bas, je regarde en même temps le logiciel de capture qui ne bug pas, on sait jamais. Parce que, en ce moment il fait des siennes le petit monsieur.
Non. Putain, bien joué. Oh, mais je fais que de la merde. Oh là là. Concentre-toi. Et en plus, il me fait la misère, lui. Ou bien joué, Trapp. Ah, il tourne vraiment de n'importe où, le mec. Tout est beau à prendre. C'est vraiment un truc de dingue. Heureusement que ça n'aboutit à rien. Non, bah vas-y, hein. Bien joué. Ah, mais putain. Ah, il m'a fauché, heureusement. Petit carton. Mais oui. Mais oui, Yaya. Yaya. Allez, ça passe. Ah, c'est dommage. Pourquoi t'as pas continué? T'aurais dû prendre dans le chemin. Non, 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 non. Hors jeu? Oui, ok, d'accord, j'allais dire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas fait gaffe. En tour... Enfin, à vitesse réelle, j'avais pas fait gaffe, il était hors jeu. Allez. Allez, PSG qui récupère le ballon. Ah non! Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera t'as la pression! Ah! Oh putain! Je vous signale, la deuxième test, c'est pas du tout fait exprès, c'est l'ordinateur qui a repris instantanément. Allez, 4 buts. 4 buts, c'est bon. Est-ce qu'on va résister, enfin, insister à un rush kit en live? En plus, c'est le petit Marco qui a marqué. Le tout petit. C'est bien. Allez, mon pote. Joue. Après, si seulement au prochain match, je pouvais faire la même chose. Non. Je vais gardien. Allez, on va trouver quelqu'un tout de suite. Hop là. Ah non, dommage qu'il était là, lui. What? Des fautes pour qui, là? Pour moi, j'espère. Ah oui. Alors, Avec Zlatan Ibrahimovic. Oh putain, je la voyais dedans. Oh, chier. Ouf, putain, je prends toute la tête, c'est un truc de dingue. Là, je pense que vous emportez un peu, Hervé. Voilà, je venge le PSG qui ont perdu contre Manchester. Regardez-moi ça, hop. Regardez, on va le faire rager un petit peu. Ah merde, t'as fini par m'avoir. Regardez, hop. Putain, c'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Ça peut être dangereux. Une jambe cassée, frac. Allez, il faut qu'on gagne la prochaine. Il faut absolument qu'on gagne la prochaine. Ah, je vais me tenir un peu droit, parce que je me tiens comme une daube, vu comme je suis concentré. Voilà, vous pouvez le voir, il nous reste un match. Victoire obligatoire aussi. La grosse pression. Allez les amis, on y va. A tout de suite. On se retrouve pour le deuxième match de l'épisode. Et ce deuxième match, victoire obligatoire, je vous le rappelle, pour se maintenir dans cette division. C'est parti, on a la pression, on se concentre. Il faut absolument gagner. Victoire obligatoire, pas de match nul. Victoire obligatoire. J'ai pas envie de descendre les amis. Merde, j'ai remis le Cavani. Oh, c'est pas grave. On va faire avec lui pour le début du match. Si ça se passe mal, on changera. Allez, David Luiz. Oh putain, ça commence mal. Elle repousse du point.
Ah non, 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 ça commence très très mal quand je... Allez, je vais peut-être pas aller trop vite. Avec Zlatan Ibrahimovic. Par-dessus pour Ah, Edinson non, non. Cavani. Toi, on aurait cru qu'il avait pris de la main, le mec. Karim Benzema. Enfin, de toute façon, les mains Verratti. ne sont pas sifflées dans ce jeu, donc... Avec Zlatan Ibrahimovic. Allez. Oh, mais non! Oh, je suis Fabregas. dégoûté. Pourquoi il la reprend pas? Matuidi. Allez, Ouais, allez. le Non, gardien c'est dommage, se c'est fait pas raté. surprendre. C'est raté. Là, c'est le Oh, poteau la qui va être faute. sauvé. Oh, la petite Oh, faute de carton jaune, ça va Coquinou. le calmer. Carton jaune, Ça du va coup, faut que je surtout fasse lui gaffe. donner des petits problèmes jusqu'à la fin du match Il faut que maintenant. je fasse gaffe. Oh putain, Attention, allez. Cavani. Allez. Allez, la vitesse. Putain, il a de la vitesse. Oh putain, il a de la vitesse, ça fait peur. Oh putain, c'est pas fini. C'est Alors, on fini, va c'est pas fini. récupérer sur cette intervention. Et c'est Corner. bon, un Ouais, corner pour corner, les corner. Parisiens. Le corner Ah, récupéré à la fin du dommage. clip. Oh, il y a un coup à jouer, il a du soutien. Ah, attention, la frappe! Oh, Il va mais non. pas sauver, il a décroché Oh. ce poteau de balle un petit peu Putain, trop c'est haut. Ibra qui la contre en plus. Oh Ibrahimovic, non. là, il va Oh peut-être rien non. faire. Ouais, facile à dire après coup, hein, mais en vrai. Oh là 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 là. Marco Verratti. Cavani, la frappe! Ouais, on lui a barré la route. Pression sur la défense du Real Oh Madrid avec ce putain, mais poteau. putain, mais merde, je vais y arriver ou pas? Allez. Et Oh Ousmane putain. Dembélé sur ce corner, mais il n'y aura pas de but. Et il s'en est fallu beaucoup. La défense et le gardien ont eu chaud. Là, ça devient inquiétant, tout ce que je rate. On s'approche du but. Allez. C'est un très bon ballon, ça. Oh Ouais, non, c'est bien putain, fait. Oh là, c'est c'est pas au-dessus, c'est au-dessus. possible. C'est le moins qu'on puisse Ah dire. les amis. Benzema. Wow. Télescopage. Et les Parisiens récupèrent. Ouais, quel effort sur cette Oh interception, shit. c'est impeccable. Thiago Silva. Matuidi. Oui. Marcelo. Là, ce sera Oh touché pour le putain. Real Madrid. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Un tacle très Ah, j'ai propre, une raté belle trop de cases, interception trop de d'Angel Di cases. Maria. Serge Allez. Aurier, il parvient à centrer. Et Oh, c'est le le mec, il ballon met 3 ans pour faire retourné. son centre. Tu m'étonnes que ça se retrouve derrière le but. Rodriguez. Allez, Coup droit gardien, dans les bras du bien joué. gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Di Maria, Marco Verratti, ah, c'est mal dosé, ce sera une touche. Ah là Sergio Ramos, là. Gareth Bale, une deux, et le PSG qui récupère le Ah, ballon. je parle plus trop. Je ne suis pas mort, vous inquiétez pas. De toute façon, vous me voyez dans la caméra. Je ne suis pas mort. C'est juste que je suis hyper concentré. Et puis Tension du par coup, regardez, carton j'ai parlé, jaune. j'ai pas fait attention. Je ne veux pas perdre ce match. C'est vrai qu'il faut que je parle un peu plus quand même, parce que sinon vous allez vous faire Un chier. ballon d'attaque. Ah, ça Bon, je vais sera une essayer de faire touche un au peu plus la PSG. conversation. Bon, salut, vous allez bien? Allez. David Luiz. C'est finalement récupéré par le Ça Real. passe. Angel Di Allez, Maria. ça passe, ça passe. Ça passe, mon tirier. Tu cours plus vite, tu cours plus vite. Il centre! Oui, la Oh vieille variante du petit putain. centre. Il est sérieux, Parfaitement lui. centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Il m'a visé qui, là? Et Cristiano Ronaldo maintenant.
Allez Davidou, allez Davidou, allez Davidou, tu te bats mon gars, ça qui est bon, ça qui est bon. Oh putain. Ah touche faux. Ah bon? Il me semblait qu'il avait touché en dernier. Pas grave. Oh putain. Quel passe de bras. Oh putain, eh hey. Non. Oh franchement j'aurais eu la haine s'il aurait marqué, la haine. Putain, c'est de ma faute, j'avais qu'à les mettre au fond les occasions. Ah, Ibra il passera jamais devant. Si allez ça passe. Oh putain, mais merde, mais c'est pas possible, j'ai pas réussi à marquer hein. Il faut que je marque. Non, ça passe pas. Allez mon petit pote, il faut que tu récupères. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est un peu au casse-pipe, mais bon. Je sais pas quoi faire avec Cavani, c'est un truc de dingue. Oh! Oh là 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 là! Je peux pas sonner! Ouais, désolé, c'est quand je rage, je débloque un peu. J'ai dit des choses incohérentes, tout simplement. Allez! Oh putain, mais il lui fait une passe! Eh mon pote, t'es pas dans leur équipe, hein! Et ne t'en suis. Bon, mi-temps. Et bah, et donc, ce fut laborieux au niveau des tirs. Alors, je vais regarder le nombre de tirs. Donc, effectivement, j'ai pas mal tiré durant cette première période. 7 tirs. 4 tirs cadrés. C'est vraiment pas terrible, terrible. Ah, par contre, je domine à fond, mais il n'y a pas de but. Malheureusement. Donc, déjà, on va faire un petit changement. On va pas perdre de temps à mettre Lucas directement. On va voir ce que ça donne, en espérant que ça soit positif pour moi. Allez, dépêche-toi mon pote, vous êtes temps de faire pipi. Non même pas. Pas de pipi, revenez tout de suite, revenez tout de suite. Allez, on est reparti pour la seconde période. Comme vous l'avez entendu avec les commentateurs. Oui, ça passe, c'est beau. Ah, mais pourquoi je frappe pas direct? Je veux trop faire le kéké là. Ah, il excelle dans ce domaine, c'est vrai. C'est là par exemple qu'il peut faire admirer son excellente frappe de balle avec Zlatan Ibrahimovic. Oui, allez, bien joué. Allez, pour qui? D'accord. Kurzawa. Mon dieu, mon dieu. Est-ce que ça compte comme une frappe? Ah, bien joué. Le tacle, j'adore. Là j'ai essayé de faire une petite passe parce que je m'en sortais pas. T'es toujours 0-0 quoi. Je suis pas à l'abri de m'en prendre en plus. Oh là 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 là. Oula, heureusement qu'il y a hors-jeu. Allez, on va se tenir droit. Faut penser au dos, hein, très important. Se sauver c'est bien, mais la santé c'est mieux, attention. Du coup je me tiens droit comme un constipé. Voilà, je ne suis pas sur mes toilettes pour ceux qui viennent de prendre la vidéo en cours. Je ne suis pas sur les toilettes, je pense juste à mon dos, ne vous inquiétez pas.
Allez, ça, on va dire que ça passe. Ça passe, l'autre il tombe tout seul. Ah là là, il a poussé le ballon un peu loin. Wow! Quand même. Ibra est solide, mais il y a des limites. Hein. Alors, les coups francs, c'est pas du tout ma tasse de thé, je vous préviens de suite. Oh! Oh putain! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais pas à ça. Putain, je m'attendais à un. C'est quoi ce cadeau énorme que je viens d'avoir? Que je n'ai pas su concrétiser en plus. Normal. Allez. Allez, Marco. Ah, trop fort. Oh, bien joué, merci. Oh, la passe D, ça joue en 1-2. Oh là 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 là, je vais jamais y arriver. Je sais, je me répète, mais ça m'inquiète. Je vois que j'ai toutes les occasions du monde. Putain. Pourquoi je fais pas la passe directement? Vous voulez vouloir faire des gris-gris tout pourri là. Ça marche même pas. Le ballon en cloche pour Cristiano Ronaldo. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. Il faut que je le fasse de toute façon. Ouais, il le passe. Ah, il n'est pas tout seul. Oh là là, l'arrêt. Mais c'est quoi cet arrêt de merde? Je ne fais plus jamais ça. Allez. Oh, il lui suffit de tromper le gardien maintenant. Maria, pas de soucis pour le gardien. Oui, ballon bien arrêté par le gardien. On en reste sur ce score de parité. Je sais plus quoi faire là. C'était de ma faute, j'aurais dû m'avancer, mais je ne sais plus quoi faire. Bon bah ça craint les amis hein. J'ai envie de vous dire hein, parce que quand ça commence comme ça, ça va jamais rentrer. Bien joué. Putain. Mais non, n'oublie pas le ballon. Oh là là, ça pue ça. Ça pue. Gaffe. Mais non. Oh putain. Oh la frayeur. Oh. Putain, il reste 10 minutes les amis. 10 minutes. 10 minutes. Il faut que je marque. Pour cette équipe, mathématiquement, ce point du match nul ne lui permet pas de se sauver. La victoire est impérative, en effet. S'ils veulent pouvoir respirer, il faut tout donner. Allez. Cristiano Ronaldo. Oh putain. De grande classe. Et deux gardiens en confiance. Ça c'est sûr. Arrêt de grande classe, ça c'est clair. On va jouer le tout pour le tout, les amis. J'ai plus le choix. Oh là là, puis en plus il y a pas de solution devant. Ah, c'est vraiment de ma faute là, je peux en prendre qu'à moi, j'ai raté beaucoup trop de choses. Et là du coup je m'énerve, du coup il commence à avoir la main mise sur le match, enfin même si on arrive à la fin du match. Non, 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 non. Allez. Hey Lucas, tu bouffes en vitesse. Bon ballon d'attaque. Ah, je sais vraiment plus quoi faire là. C'est vraiment dommage si je descends sur un match comme ça. Ah non, non. Bim, tiens, dans ta face. Putain. Ah, les amis, on va descendre. Non.
Bon bah écoutez, je pense que c'est la fin. C'est terminé à l'instant sur ce score de 0-0. La saison qui a rendu son verdict et c'est la descente, hein, hélas pour nous. Ouais, avec une saison difficile et malheureusement, c'est la relégation. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à me sauver, c'est vraiment dommage. En plus, le match, il était pour nous, j'avais les occasions, j'en ai raté vraiment beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on va voir les stats ensemble, si, voilà, il me les affiche. Il me les affiche pas, donc va te foutre. Voilà, merci, ça c'est fait. Et oui, donc on descend en Division 7, mais c'est pas fini. On va remonter pour essayer de remonter. Remonter jusqu'au play-haut. Au play-haut, ça se dit pas au play-haut, qu'est-ce que je dis moi? Au plus haut. Donc voilà, on va essayer les amis, c'est pas grave. Bon voilà, j'ai essayé, hein. Comme vous avez pu voir, franchement, je méritais vraiment quoi. Regardez, ah bah si on a les stats. 12 tirs. 5 cadrés. 5 malheureux tirs cadrés. C'est nul, clairement c'est nul. Bah, j'ai raté, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cette vidéo... Oula, je bafouille, désolé. C'est sûrement la tristesse. Ah, c'est normal. En tout cas, comme je disais, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu sur FIFA 16 Online 1v1 contre des joueurs en ligne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. C'est vous qui voyez. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je fais plein de bisous.